envoyé aujourd'hui. Wer haben uns hier heute getroffen? Weil wir einfach in der Gegenwart Gottes uns aufhalten möchten. Aber gemeinsam, zusammen. Und vor allem, weil wir den Herrn manifestieren sehen wollen in diesem Land. Quand on dit le Seigneur se manifester dans ce pays, wenn wir sagen, der Herr sich manifestieren in diesem Land, sich zeigen durch uns, à travers les personnes qui vivent dans ce pays, durch Menschen, die in diesem Land leben. Amen. Amen. Et ce que nous constatons, das, was wir feststellen, c'est que das, l'ennemi travaille aussi. Dass der Teufel auch arbeitet. Pour empêcher les enfants de Dieu, afin de permettre Dieu de se manifester. Donc il empêche les enfants de Dieu. Und er tut es, die Kinder Gottes aufhalten, damit sie weiter vor und nach vorne gehen und für Gott arbeiten. À travers beaucoup de choses. Durch viele Dinge. Amen. Amen. Et frères et sœurs, je vous dis, Geschwister, ich sag euch, c'est important de se réunir. Es ist wichtig, sich zu treffen. C'est important que les frères et sœurs se réunissent pour prier. Es ist sehr wichtig, dass sich Geschwister treffen, um zu beten. Je dis bien les vrais enfants de Dieu. Ich sage die wahrhaftigen Kinder Gottes. Même lorsque les enfants de Dieu se présentent, il y a toujours, il peut avoir des faux. Es kann immer falsche geben, aber wenn die wahren Kinder Gottes sich präsentieren vor dem Herrn. Quand les vrais sont là. Wenn die wahren da sind. Même tout ce que les faux font. Auch wenn die falschen, was alles, was die falschen tun. Ils ont du mal à avancer. Wenn wir nicht die wahrhaftige Erkenntnis haben, wir werden aufgeben. Mais c'est tout simplement parce que Dieu nous a fait grâce. Nur weil der Herr uns Gnade geschenkt hat. Il a touché nos cœurs. Er hat unsere Herzen berührt. Mon frère, lorsque ton cœur a été touché, mein Bruder, meine Schwester, als dein Herz berührt wurde, par Yehoshua, durch Yehoshua, pas par les hommes, nicht durch die Menschen, pas par une religion. Nicht durch eine Religion. Pas par un mouvement. Nicht durch irgendeine Bewegung. Et quand le doigt du Seigneur. Aber als der Finger des Herrn. A touché ton cœur. Dein Herz berührt hat. Tu es quelque chose d'autre. Das ist was ganz anderes. Tu es une autre personne. Du bist eine andere Person. Même lorsque tu traverses, comme disait David, traverses la vallée de l'ombre de la mort. Auch wenn, wie David sagt, du in den tiefsten. Même les situations les plus difficiles. Auch in den schwierigsten Momenten, Situationen. Mais quand tu te souviens. Ah, aber wenn du nachdenkst. Du jour où le Seigneur a mis son doigt dans ton cœur. Wo der Herr seinen Finger in deinem Herzen getan hat. C'est quelque chose d'autre. Amen. Das ist was ganz anderes. Alléluia. Amen. Donc, je trouve ça tellement important. Ich befinde das als sehr wichtig. Que les frères et sœurs se réunissent. Dass die Geschwister sich versammeln, um zu dem Herrn aufzuschreien. Je me souviens, je vous avais raconté une fois, bien, certaines personnes. Ich habe einmal zu uns getroffen. Quand j'étais en stage en Angleterre, il y avait. Also, als ich mal eine Ausbildung hatte. J'avais une vision. Ach, in England, okay, ich hatte eine Vision. Je voyais des gens, c'était comme un film. Das war wie im Film, habe ich Leute gesehen. Je voyais des gens qui entraient dans une salle. Ich habe Menschen gesehen, die sind in einen Raum reingegangen. Et ces gens-là entraient pour prier, pour louer le Seigneur. Sie sind dort hineingegangen, um den Herrn anzubeten und zu preisen. Et chaque personne ressemblait à des lucioles, des petites lumières en fait. Und jeder sah gleich einem kleinen Licht. Il y en a qui dégageaient autant de lumière. Es gab manche, die hatten sehr ein großes Licht. D'autres très peu. Und manche ein kleineres Licht. Et il y en a qui n'avaient rien. Und es gab auch welche, die kein Licht hatten, was einfach aus war.
Ils entrent tous dans le même endroit. Und sie gingen alle hinein und gleich am selben Ort. Pour aller louer le Seigneur. Um den Herrn anzubeten. Vous imaginez, il y en a qui rentrent comme ça, la lumière forte. Könnt ihr euch vorstellen, manche kommen hinein, sie haben so ein großes Licht. D'autres juste un peu. Manche nur ganz wenig. Il y en a qui n'avaient rien. Es gab manche, die gar kein Licht hatten. Et je vois maintenant dans la salle, je vois comment les personnes étaient assises. Und ich sah, wie die Menschen sitzend waren. Et effectivement, tu vois, il y a quelqu'un qui est là, qui dégage autant de lumière, l'autre à côté, il n'y a rien. Und du sagst wirklich, dass einer zum Beispiel ein großes Licht hat und der, wo ihr neben ihr ist, kein Licht hat. Donc on avait l'impression que y avait des endroits où c'était, ça éclairait, ici c'était pas éclairé, machin. Es gab, es sah so aus, als ob es manche Stellen gab, die wo erleuchtet waren, manche nicht. Ils ont loué, ils ont chanté, ils ont prié. Sie haben gesungen und gelobt. Je vous assure. Ich versichere euch. À la sortie. Am Ausgang. Personne n'est sorti sans lumière. Niemand ist rausgegangen ohne Licht. Alléluia. Amen. Tous sortaient avec la lumière. Alle sind gegangen mit Licht. Alléluia. Amen. Ça m'a beaucoup enseigné. Das hat mich sehr, sehr viel gelehrt. Et le problème que nous vivons ici, das Problem, was wir hier erleben, c'est l'isolation. Das ist die Isolation. Oui, il y a des moments où le Seigneur peut nous isoler. Es gibt Momente, wo der Herr uns isolieren kann. Parce qu'il veut qu'on lui fasse seulement confiance. Weil möchte, dass wir nur ihm vertrauen, ja. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas aussi négliger les rassemblements des frères et sœurs. Aber wir sollen es auch nicht vernachlässigen, die Treffen mit den Geschwistern. Tu te sens faible. Du fühlst dich schwach. Sois sincère. Sei ehrlich mit dir. Alléluia. Amen. Vous savez, avec le Seigneur, wisst ihr, mit dem Herrn? C'est la sincérité. Mit dem Herrn, es ist die Ehrlichkeit. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les gens sont tellement orgueilleux. Das, was wir heute erleben, ist, die Menschen sind so hochmutig. Les gens sont habitués à la solitude. Sie sind daran gewohnt, alleine zu sein, in der Einsamkeit. Qu'on n'est plus vrai. Dass man sie nicht mehr sieht. Est-ce qu'on peut prendre du rapidement pour vous encourager? On va se... Je suis mais ehrlich. Wir nehmen alle zusammen einen Vers. De rester à Éphèse. In Ephesus zu bleiben. Afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Damit du einigen Weisungen erteilen sollst, nichts anderes zu lehren. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern. Qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Dieu par la foi. Die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwaltdienst Gottes fördern. Alors, suivez bien à partir du verset 5. Hört gut zu ab dem Vers 5. Or, le but du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. Das Endziel der Weisung aber ist die Liebe, aus reinem Herzen. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Certains se sont écartés de ces choses. Davon sind einige abgeirrt. Et se sont égarés dans des conversations vaines. Und haben sich leeren Geschwätz zugewandt. Voulant être docteur de la loi. Sie wollen Gesetzlehrer sein. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.
und verstehen nicht weder, was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici à partir du verset 5. Wir sehen hier ab dem Vers 5. Or, le but du commandement. Und wir sehen hier, dass das Endziel der Weisung, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. Aber ist die Liebe aus reinem Herzen, d'une bonne conscience, und gutem Gewissen, et d'une foi sincère, und ungeheuchelten Glauben. Alléluia. Amen. Le problème que nous avons, frères et sœurs, das Problem, was wir haben, meine Geschwister, être vrai, dass man wahrhaftig ist. Vous savez, quand on se rassemble comme ça, wisst ihr, wenn wir uns so versammeln, ou même quand on voit des personnes, des frères et sœurs dehors, wenn wir die Geschwister draußen sehen, ou même quand on s'appelle, oder wenn wir uns anrufen, comme on nous connaît d'une certaine manière, die kennen uns auf eine bestimmte Art, on veut toujours garder cette image. Und wir wollen wirklich immer dieses Bild aufrechterhalten. On n'est plus vrai. Aber es gibt an einem Moment, dann sind wir nicht mehr wahr. Je vous dis que dans les rassemblements des enfants de Dieu, il y a aussi des personnes fausses. Und ich sage euch, in den Versammlungen der Gotteskinder gibt es auch falsche. Je ne parle pas de ça. Ich rede aber nicht darüber. Je parle de ceux qui ont reçu la parole. Und ich rede von denen, die das Wort erhalten haben. Ceux qui ont reçu la vérité. Die Wahrheit erhalten. Parce que le but de la vérité. Und das Ziel der Wahrheit. Le but de l'enseignement que nous recevons. Und das Ziel von der Lehre, die wir erhalten. L'objectif de la parole que nous lisons dans la Bible. Und das Objektiv von dem Wort, was wir in der Bibel lesen. La raison pour laquelle nous prenons cette parole. Und der Grund, warum wir dieses Wort nehmen. C'est afin d'avoir un cœur pur. Ist, dass wir ein wahrhaftiges Herz haben. De manifester une foi, en fait, d'avoir une bonne conscience. Um ein ungeheucheltes Glauben zu haben, ein gutes Gewissen. Une foi sincère. Und ein ungeheuchelten Glauben. J'aime bien le mot en allemand ici. Ich liebe dieses Wort auf Deutsch. Ungeheucheltes, oder? Ja, ungeheuchelt. Heuchelei. Ja. Vous savez ce que signifie heuchelei? Wisst ihr, was Heuchelei bedeutet? L'hypocrisie. En français, on parle d'une foi sincère. Auf dem Französisch spricht man mit einem guten Gewissen. Also ungeheuchelten Glauben. Ungeheuchelt. Mm-hmm. En français, on dit foi sincère. Le mot sincère ici en allemand se traduit par l'hypocrisie. Und im Französischen wird es anders gesagt, und auf dem Deutschen wird man ungeheuchelten Glauben. En fait, une foi sans hypocrisie. Mm-hmm. Echten Glauben, ja. Vous vous rendez compte, comment on peut comprendre une foi sans hypocrisie? Wie kann man einen Glauben verstehen ohne Heuchelei? En fait, s'il y a une foi sans hypocrisie, ça veut dire qu'il y a une foi dans l'hypocrisie. Wenn es einen Glauben gibt ohne Heuchelei, dann gibt es einen Glauben mit Heuchelei. Comment on peut comprendre une foi hypocrite? Wie kann man einen Glauben mit Heuchelei verstehen? Non, frères et sœurs, réfléchissez un moment. Denk mal ein bisschen nach, meine Geschwister. Juste un petit, avant qu'on commence à prier. Mais réfléchissons. Tun wir ein bisschen nachdenken. Une foi hypocrite. Ein Glaube, ein geheucheltes Glaube. Vous savez le terme hypocrisie, hypocrite? Wisst ihr dieses Wort? Ce mot est sorti de, comment on appelle ça, des Schauspieler, en fait, dans le théâtre. Und dieses Wort ist aus dem Theater hervorgekommen. Ça vient du terme hypocritos. Kommt aus dem Wort hypocritos. Ce sont des acteurs. Das sind Schauspieler. En fait, quand les acteurs venaient sur l'estrade, und wenn sie auf die Bühne gekommen sind, et ils devaient jouer un rôle. Und sie mussten eine Rolle spielen. Donc, il y en a qui portaient souvent des masques. Es gab manche, die haben Masken genommen. Des hypocritos. Die hypocritos. Donc, en fait, une foi hypocrite. Ein Glaube, ein heuchlerischer Glaube. Non, c'est terrible même pour expliquer quoi. Est-ce qu'on se rend compte? Versteht ihr? Une foi qui est hypocrite. Ein Glaube, der geheuchelt ist. En fait, c'est une foi qui n'est pas sincère, mais. Ein Glaube, der nicht echt ist. Frère et sœur, imagine. Stellt euch das mal vor. Il est le roi. Er ist der König.
Là-dedans. Aber da drinnen. Fais semblant. Er tut nur so. Schauspieler. Ein Schauspieler. Est-ce que vous comprenez ça? Versteht ihr das? Vous vous rendez compte comment c'est terrible cette affaire? Versteht ihr wie... Comment c'est schlimm? Wie schlimm das ist? Wie schlimm das ist? Jésus, Jésus. Jésus, oh! Jésus. Oh! Est-ce que vous vous rendez compte? Versteht ihr? Une foi, on parle d'une foi hypocrite. Wir sprechen von einem Glauben, einem heuchlerischen Glauben. Et donc quand on arrive dans l'assemblée, wenn wir in der Gemeinde ankommen, je me rappelle une fois j'étais dans une assemblée, j'étais allé visiter une assemblée, j'allais souvent là-bas de temps en temps. Ich erinnere mich, dass ich mal zu einer Gemeinde gegangen bin, wo ich immer öfters mal hingegangen bin. Le pasteur il est en train de prêcher fort. Le pasteur a vraiment beaucoup de prédit. Je me suis seulement calmé comme ça, j'ai prié, j'ai dit, oh, Seigneur, vraiment. Bam, j'ai une vision. Habe ich eine Vision erhalten. Je vois le pasteur, il a porté le masque. Und ich habe den Pastor gesehen, er hat eine Maske getragen. Et effectivement, il a porté le masque. Und er hatte wirklich wahrhaft. Parce qu'il avait une double vie. Weil er hatte ein Doppelleben. Il avait une vie de l'Afrique et une vie d'ici. Und er hatte ein Leben von Afrika und eins hier. Frères et sœurs, soyons vrais. Meine Geschwister, seid echt. Ayons une foi sincère. Habt einen ungeheuchelten Glauben. Pas le semblant. Nicht unecht sein. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé ici, als ich hierher gekommen bin, je vous dis, ich sag's euch, Dieu est vraiment parmi nous. Der Herr ist wirklich non, sérieux, Dieu est vraiment parmi nous. Wirklich sérieux. Der Herr ist wirklich unter uns. Vous savez, quand vous vivez une pression terrible, des combats, des choses, vous ne pouvez même pas en parler. Wisst ihr, wenn ihr Dinge erlebt, Druck, wo ihr noch nicht mal en esprit, c'est comme si, pour respirer, tu es comme ça. Comme si tu étouffes. Und du atmest, als ob du ersticken würdest. Qui connaît ça? Wer kennt das? Vous connaissez pas ça? Kennt ihr das nicht? Mais tu arrives, tu sens que c'est comme tu es une odeur là, tu dis Seigneur. Quand tu connais la présence de Dieu. Und wenn du die Gegenwart Gottes kennst. Ça ne ment pas. Und das lügt nicht. Et là tu commences à parler à ton papa. Und du fängst an zu deinem Vater zu sprechen. Vater, wir kennen uns doch. Je me souviens. Ich erinnere non. mich. Toi-même, tu ne peux pas oublier. Du kannst doch nicht vergessen. Moi-même, j'ai pas oublié. Je me souviens de ce jour-là. Le jour où tu as mis le doigt comme ça dans mon cœur. Quand c'est rentré. Où es reingekommen ist. Yahweh. Yahweh. On se connaît. Wir kennen uns. Tu es mon papa. Du bist mein Vater. Et boum. Und boum. Tu rentres dans cette. Oh, alléluia. Amen. Du bist hinein in deine Gegenwart. Je vous dis, frères et sœurs. Ich sage euch, meine Geschwister. Quand Yahweh. Quand tu sens l'amour de Yahushua Mashiach, quand tu sais que tu étais dans le péché, tu sais d'où tu étais, et là où tu te trouves. Même s'il y a les gens, même s'il y a quoi, tu t'en fous. Und es ist ja alles si tu veux danser, là ce n'est plus la danse de l'hypocrisie, c'est la danse de la vérité. Alléluia! Hey! Ceux qui connaissent la présence de Dieu, quand tu souffres, wenn du leidest, c'est dur, es ist schwer. Les combats, der Kampf. Les choses n'avancent pas comme tu veux. Die Dinge gehen nicht voran, wie du es möchtest. Tu veux bien que Dieu fasse comme ça. Du möchtest, dass der Herr so mais ce n'est pas ce qui se passe. Aber es ist nicht das, was vorangeht. Calme-toi. Beruhige dich. Et là tu dis Yahweh. Und da sagst du Yahweh. On se connaît. Wir kennen uns doch. Non. Celui qui a touché mon cœur là, ce n'est pas un homme. Der mein Herz berührt hat, ist kein Mensch. Non, moi je priais, je disais, je m'en fous de qui à gauche, à droite, je m'en fous, il y a un je fais ta préférence. De quoi, une beauté, une voiture, maison, argent, je m'en fous, je veux ta présence. Problème réglé ou pas réglé, ah,
Erledigt oder nicht, ich habe gesagt, es ist mir egal, ich möchte deine Gegenwart. Halleluja. Amen. Oh, démons, sirènes des eaux, satanistes, sorciers, on se m'en fout, je veux ta présence. Alléluia! Amen! Oh, il y a une couche dure, quoi, les anges ne peuvent pas passer, ou bien on raconte. Oh, franc-maçon, Satan, les ténèbres, Alléluia. Quelqu'un est venu raconter une fois. Ein Mensch ist mal zu mir gekommen, hat mir erzählt. Oh, l'Europe est couverte de ténèbres. Und Europa ist bedeckt von der Dunkelheit. Que les anges ont du mal à traverser, ma chère. Die Engel haben es schwer, darüber zu gehen. J'ai goûté ça comme ça. Ich habe nur so gehört und dachte. J'ai dit wow. Mes prières, ça s'arrête peut-être ici, même au plafond. Il a dit, Herr, vielleicht tut meine Gebete nur bis hier am Dach. Après, j'ai dit, mais le message là, la prophétie, elle a reçu ça quand? J'ai dit, hey, diese Prophétie, wann hat sie erhalten? Oh, c'est quoi les années 90, c'est pas plus vite. Oh! Das war damals 1998. Moi, je suis devenu chrétien après les années là. Und ich bin Christ geworden nach diesem Jahr. Donc, l'esprit, qui l'a bloqué? Moi, je sais comment toucher. Et là, semble avec le plus souvent, il faut réfléchir comme ça. Tu dis, mais, démons, sirènes des eaux, les satanistes, les francs-maçons, les sorciers de mon village, les sorciers de ma famille. Aujourd'hui, il aura touché mon cœur. Il est passé par où? On a dit que c'est fermé. Mais il est passé. Qui peut arrêter Yahweh? Alléluia. Quelle sirène des eaux? Tu peux me monter ta poitrine jusqu'ici. Tu peux me porter le fil jusque-là. Même si tu marches comme si c'était le... Oh, wenn du ganz komisch läufst. Hip-hop ou pas hip-hop? Oh, hip-hop oder was weiß ich. Oh, hot pants ou pas hot pants? L'été ou bien l'hiver? In der Sommer oder Winter? Il est passé par où pour toucher mon cœur? Wie ist er vorbeigekommen oder durchgekommen mein Herz? Souvenez-vous. Erinnert euch. Du jour où vous avez été touché. Erinnert euch an den Tag, wo ihr berührt wurdet. Ich bin schon gesagt, Yahweh. Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach. Non. Nein. Les ténèbres. Die Dunkelheit. Les serpents. Die Schlangen. Les sirènes. Die Mädchen. Les machins. Les sorciers. Les satanistes. Die Satanisten. Les francs-maçons. Die Freimaurer. Mais Yahweh est venu à toucher mon cœur. Aber Yahweh ist gekommen und hat mein Herz. Donc même si je dors, auch wenn ich schlafe, autour il peut y avoir des serpents comme ça. Und außenrum von mir können Schlangen. Tant que Joshua, aber solange Joshua n'a pas enlevé sa main, nicht seine Hand weggenommen hat, il a toujours son regard. Und hat immer noch sein Auge auf mich. Alléluia. Amen. Mais il faut acclamer Joshua. Können wir klatschen? In deinem Herzen vor Jeschua berührt wurdest, musst du ihm das sagen. Rede zu ihm klar und deutlich. En vérité. In Wahrheit. Sincèrement. In Wahrhaftigkeit. Sans hypocrisie. Ohne Heuchlerei. Sans venir jouer le costaud. Ohne zu kommen und zu spielen. Non, laisse ça. Lass es. Laisse ça. Lass es. Au Gabon, je voyais les gens tentent de prier, tu viens, tu arrives là. Au Gabon, je vois les gens qui ont gebetet, tu viens de l'Europe, tu t'assois. Oh, l'homme de Dieu, le frère William va prêcher bientôt. Le bruder William va prêcher bientôt. Tu étais là assis comme ça, les gens commençaient à chanter. J'ai commencé à chanter. J'ai dit, mais ces gens-là,
Ich habe gesagt, diese Leute. Et le temps passe. Die Zeit vergeht. Il ne faut que chanter. Je vais prêcher pendant combien de minutes maintenant? Ich habe gesagt, die tun nur singen und lachen. J'attendais. Le man of God attend pour prêcher. Pendant que les autres sont dans la joie, comme ça, chanter, moi je t'ai dit. Ces gens-là, le temps passe. Je vais prêcher pendant combien de minutes? La présence de Dieu était là. On dit que Gott war das Vater. Und die Leute haben gesungen. À un moment donné, je me suis calmé. Es gab einen Moment, da habe ich mich beruhigt. L'affaire s'en fait de continuer. Und diese Sache ist weitergegangen. Et Yahweh commence à parler. Und da hat der Herr angefangen zu sprechen. Il me dit, tu veux prêcher pour toi ou bien c'est pour les gens? Und der Herr sprach zu mir. Tu veux prêcher pour toi ou bien pour moi? Willst du für dich predigen oder für mich? Yahweh, pardonne-moi. Ich habe gesagt, hey, Yahweh. Quand moi-même je suis rentré dans la louange, on a dit ça, mais il disait, on ne pouvait plus m'arrêter. Man of God, ça pleure comme ça, les trucs dans le monde. Alléluia, oh, qu'est-ce qu'il y a? Quand on est vrai, wenn wir echt sind, on vit la présence de Dieu, je vous dis. Wenn wir Gegenwart Gottes. Donc c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Das, soyons vrais. Seid echt. Quand tu viens comme ça, wenn du so kommst, ça ne va pas dans ton cœur. Und es geht nicht tu ne te sens pas bien. Du fühlst dich nicht gut. Insiste. Bestehe. Yahweh. Là où je suis là. Da, wo ich bin. Je veux de toi. Ich möchte von dir. Je ne veux pas l'argent. Ich möchte kein je ne veux pas les femmes. Je ne veux pas les voitures. Je ne veux pas les maisons. Je veux de toi. Nous voulons voir les choses se passer dans ce pays. Wir möchten die Dinge sehen, die hier in diesem Land passieren. On doit être ce genre de personne. Wir müssen solche Leute, solche Menschen sein. Ah, okay. Alléluia. Amen. Des personnes vraies. Echte Menschen. Wahr. Vrai. Echt. Si tu t'envoles la nuit, wenn du abends sois vrai. Sei. Viens, dis Seigneur, vraiment moi je m'envole la nuit. Je suis dans la sorcellerie. Il faut que je sorte de là. Tu es dans l'impudicité. Il faut être vrai. Celui qui pense qu'il est fort, qu'il fasse attention de tomber. Tu peux avoir les muscles. Tu peux avoir les muscles. Je ne sais pas quoi. Mais en esprit. Si tu es comme ça là, wenn du so bist, il faut être vrai. Du musst echt sein. Je vous dis, ich sag's euch, la vérité sauve. Die Wahrheit. Si vous recevez la vérité vous enrichira. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, die Wahrheit wird donc quand tu es vrai, vrai, und wenn du wahr, echt bist, je dis vrai. Ich sage echt. Pas vrai seulement devant le frère William. Nicht nur echt, pas vrai devant papa Patience. Pas vrai seulement devant le frère Thierry, je ne sais pas qui. Vor dem Bruder Thierry oder wie auch immer. Vrai devant Dieu. War echt vor Gott. Yahweh, j'ai besoin de toi. Yahweh, je brauche dich. Alléluia. Amen. Si tu sais wenn du weißt, que tu n'es pas vrai dans ton cœur, insiste pour être vrai. Bestehe darauf, dass du echt bist. Tu dis, je suis faux, maintenant je veux être vrai. Ich bin falsch, aber ich möchte jetzt je ne suis pas sincère, je veux être vrai. Und ich bin nicht in der Wahrhaftigkeit. Je suis hypocrite. Je suis porté le masque avant de rentrer ici. Und ich bin ein Heuchler. Ich habe eine Maske angezogen, als ich hier rein bin. Alléluia. Dis, j'enlève le masque. Sag, ich lege die Maske ab. Yahweh, me voici. Sag, Yahweh, schau mich an. Et là, tu sortiras avec la lumière. Und da wirst du rausgehen mit einem Licht. Alléluia. Amen. Soyons des enfants de Dieu vrais. Seid Kinder Gottes, die echt sind. Pas le mensonge dans keine le cœur. Lüge im Herzen. C'est Dieu qui nous voit. Gott sieht uns. Dieu voit chacun de nous. Gott sieht jeden einzelnen von uns. Alléluia. Amen. J'ai vu de mes propres yeux. Je ne sais pas si c'est pas parce que tu es là ce jour-là. Ich habe meine eigenen Augen. C'est une autre mission. Où une sœur est venue. Wo eine Schwester gekommen ist. Elle est venue comme ça. Devant tout le monde. Sie ist vor allen Menschen gekommen. C'est moi. Ich bin's. Lui, c'est moi. Ich bin's. C'est moi la sorcière ici. Ich bin die Hexe. Tout le monde était à terre en train de pleurer.
Alle haben geweint. J'ai fait ça à telle. Prions pour la colère. Pendant qu'on dit prions pour la colère, Dieu est en train de dire. Et l'autre, ça va chauffer. Donc, si tu ne veux pas ça, chez toi, va dire, ça y va. Va, mes côtes. Nous sommes fatigués. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Ich habe es nicht vorhergesehen, über das zu sprechen. Wir sind müde. On est fatigué. Letztes Mal waren wir zusammen, wir haben gebetet und der Herr hat uns gesagt, wie oft wir Götzen in unser Herzen haben, oder? Letztes Mal, la dernière fois, on avait appris ensemble avec mes frères et sœurs und le Seigneur nous avait parlé de combien de fois de on a des idoles dans notre cœur. Wir haben Götzen in unserem Herzen. Des choses qui font la guerre avec nous. Und die Dinge, die sich bekämpfen. Des choses qu'on ne veut pas laisser tomber. Die Dinge, die wir nicht feiern. Qu'est-ce que les gens vont dire? Was werden die Menschen sagen? Qu'est-ce que les sœurs, les frères et sœurs diront? Was werden die Geschwister sagen? Toujours en train de regarder à gauche, à droite. Immer zu schauen, immer am Schauen. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Was wird man über mich denken? Tu sais que c'est la vérité. Du weißt, es ist die Wahrheit. Mais tu refuses de faire la vérité. Aber du tust es verneinen. Tu refuses d'accepter la vérité. Und du verneinst die Wahrheit anzunehmen. Oh, le mensonge est en train de te tuer! Obwohl diese Lüge dich töten tut. Ça détruit ta famille. Das tut deine Familie töten. Ça détruit ton foyer. Das tut dein Zuhause zerstören. Ça détruit ta vie. Das zerstört dein Leben. Tu ne vois pas que le mensonge là te détruit? Siehst du nicht, dass diese Lüge dich zerstört? Mais tu veux continuer là-dedans. Aber du willst darin bestehen. Le temps ne fait que passer. Und die Zeit tut nur vergehen. Et la mort ne fait que prendre de l'ampleur dans la famille. Und der Tod nimmt überhand in der Familie. Et Dieu attend seulement que tu te lèves. Und der Herr erwartet nur, dass du aufstehst. Dans la vérité. In der Wahrheit. Jusqu'à quand? Bis wann? Jusqu'à quand? Bis wann? Tu ne vois pas comment l'ennemi prend du terrain? Siehst du nicht, wie der Teufel die Überhand nimmt? Les choses se gâtent autour de toi. Die Dinge gehen kaputt. Tu regardes à gauche, ça se gâte. Du siehst im links die Dinge. Mais tu sais très bien. Und du weißt ganz genau. Si tu stoppes ça. Wenn du das aufhältst. Tu stoppes ici. Dort. Tu stoppes là. Hier. Beaucoup de choses changeront. Und viele Dinge werden sich ändern. Mais tu t'opposes à la vérité. Aber du tust dich der Wahrheit gegensetzen. Ça nous arrive nous tous, moi y compris. Und das tut uns allen auch manchmal vorkommen. Des habitudes que le Seigneur ne veut pas. Unsere Gewohnheiten, die der Herr nicht möchte. Qui deviennent des idoles. Die Götzen werden. Des choses difficiles à laisser tomber. Dinge, die schwer werden, um es zu lassen. Mon frère, ma soeur. Mein Bruder, meine Schwester. Souviens-toi. Erinnere dich. Souvenons-nous. Wir sollen uns erinnern. Le jour, Seigneur. An dem Tag, wo der Herr unsere Herzen geöffnet hat. Wie wir bereit waren, alles zu lassen. À laisser beaucoup de choses. Viele Dinge zu lassen. Aujourd'hui, nous attachons à beaucoup de choses. Und heute tun wir uns in vielen Dingen verankern. Si nous ne laissons pas ces choses là, wenn wir diese Dinge nicht verlassen, nous n'irons pas loin. Wir werden nicht weit kommen. Nous allons tourner en rond. Wir werden immer nur im Kreis drehen. Je sais de quoi je parle. Ich weiß, wovon ich spreche. Je sais de quoi je parle. Ich weiß, wovon ich spreche. Ce sont des paroles qui viennent du fin fond de mon cœur. Das sind Wörter, die vom tiefsten meines Herzens. Ce sont des paroles que j'aimerais vraiment qu'on prenne au sérieux. Und ich möchte, dass wir diese Wörter wirklich ernst nehmen. Vous savez, quand quelqu'un a vécu certaines choses. Wisst ihr, wenn Menschen gewisse Dinge erlebt haben und wenn sie sprechen, pour prendre ça au sérieux. Müsst ihr es wirklich ernst nehmen. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses qu'on doit lâcher. Viele Dinge müssen wir loslassen.
enfants, la femme, la famille, le travail, l'argent, Familie, la voiture, Geld, toutes ces choses. Auto, Arbeit, diese ganzen Dinge. Plein de choses que nous devons laisser. Viele Dinge müssen wir verlassen. Loslassen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas acclamer le choix?